Bonjour à tous, j'espère que votre journée se passe bien ou peut-être elle est déjà finie. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du cas nominatif. C'est le cas que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos. Je mentionne souvent des cas russes dans mes vidéos. Et voilà, le cas nominatif est très très nécessaire pour nous. Il est obligatoire à apprendre parce que c'est le cas principal, le cas le plus simple, mais le cas principal parce que à partir des formes du cas nominatif, nous pouvons changer ces formes en déclinant les noms. Et voilà, si vous voulez décliner un nom, il faut tout d'abord savoir sa forme au cas nominatif. Pourquoi c'est le cas le plus simple? Parce que les formes du cas nominatif, c'est ce que vous trouvez dans les dictionnaires. Si vous cherchez un nom, un mot en russe, vous ouvrez un dictionnaire et vous trouvez ce nom au cas nominatif. Donc, ce n'est pas décliné et vous trouvez la première forme. Et cette première forme qui est donnée dans le dictionnaire, c'est au singulier, au nominatif. Et aussi, pour mettre ce nom au pluriel, mais pour que ça reste au nominatif, vous pouvez savoir le faire en regardant ma vidéo sur ce sujet. Et aussi, dans les dictionnaires, on marque souvent les terminaisons au cas nominatif au pluriel. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt des situations quand on peut employer le cas nominatif. Pas quand on peut employer le cas nominatif, mais quand c'est obligatoire d'employer le cas nominatif. Et aussi, je réponds tout de suite à la question, pourquoi nous ne pouvons pas juste prendre les noms qui se trouvent dans le dictionnaire et sans les décliner, juste employer dans nos phrases? Pourquoi nous ne pouvons pas faire de la façon la plus simple? Je réponds toujours par cette chose. En russe, il n'y a pas d'ordre de mots qui est si strict comme en français ou en anglais, où vous placez les mots comme il faut pour que ça soit possible de comprendre où est le sujet, où est le prédicat, où est le complément d'objet direct, etc. Qui fait l'action, qui subit l'action, etc. Tout ça, on peut comprendre en français grâce à l'ordre des mots. En russe, ça ne fonctionne pas bien parce qu'en russe, c'est possible de changer l'ordre des mots, aussi changer l'intonation qui peut changer la signification de toute la phrase. Et voilà pourquoi ça ne nous permet pas d'employer les mots comme ils sont dans les dictionnaires sans rien changer. C'est pourquoi il faut changer de forme selon la fonction d'un mot concret, dans une phrase aussi concrète. Et voilà, pour bien décliner le nom, il faut tout d'abord savoir leur forme au cas nominatif. J'ai mentionné le sujet des terminaisons du cas nominatif quand j'ai parlé du pluriel des noms. Comment rendre le nom pluriel et aussi comment déterminer le genre des noms. Voilà, dans ces deux vidéos, j'ai parlé des terminaisons du cas nominatif. Vous pouvez les regarder. Et aussi, aujourd'hui, nous allons parler juste de l'emploi du cas nominatif. Quand il faut employer le cas nominatif. Quand nous pouvons laisser le nom comme il est, sans rien changer, sans décliner. Il y a quatre situations que je vais mentionner aujourd'hui. Et la première situation, c'est très simple. Ça existe deux mots russes. Ce sont « вот » et « это ». « Вот » en français, c'est « voilà ». « Это » en français, c'est « c'est ». S-E-S-T. Voilà, tous ces deux mots sont employés souvent dans les situations quand on montre quelque chose ou quand on vous donne quelque chose. Et on vous dit, voilà mon stylo, voilà le stylo, вот ручка, вот ручка. Après le mot вот, voilà, j'emploie le mot ручка, stylo, au cas nominatif. Si vous cherchez dans le dictionnaire le mot stylo en russe, vous allez voir que c'est exactement cette forme, ручка. Et aussi, si je veux dire, ça, c'est un stylo. C'est un stylo. Это ручка. La même forme que j'emploie. La deuxième situation, c'est quand il s'agit du sujet de la phrase. Le sujet de la phrase, c'est le personnage principal de la phrase. Ça peut être une personne
ou quelques personnes, un objet ou quelques objets, mais ce sont des personnages, disons personnages, qui font une action. Ça peut être pas seulement une action comme courir, travailler ou quelque chose comme ça. Ça peut être même l'action comme tout simplement être ou se trouver, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le personnage principal qui fait telle ou telle action dans la phrase. Par exemple, dans la phrase un garçon va à l'école, un garçon va à l'école, c'est pas l'école qui est l'objet principal ici, c'est le garçon qui est le personnage principal ici, parce que c'est celui qui va à l'école, c'est celui qui fait l'action aller. Voilà pourquoi ici dans cette phrase мальчик идёт в школу, le garçon va à l'école, мальчик est employé aucun nominatif. Et в школу, par contre, c'est le mot école, школа est décliné parce que ici, il exprime la fonction de la destination du verbe aller, du mouvement aller. Voilà. J'espère que c'est clair parce que ce sont les deux situations qui sont les plus simples. La troisième situation, c'est quand il s'agit du prédicat avec le verbe être. Ça a l'air plus compliqué, mais je vous explique très très vite et vous allez comprendre que c'est très simple. Juste quand vous employez ou quand le verbe être est sous-entendu, ou quand vous employez le verbe être vraiment, quand vous le prononcez, et ensuite vous employez un nom. Les situations les plus répandues quand on emploie le verbe être et un prédicat comme ça, ce sont les situations quand vous dites votre profession, par exemple. Vous dites « je suis médecin, je suis docteur, je suis coiffeur ». Voilà, ici, coiffeur, médecin, docteur, ce sont les prédicats. Ils sont employés après le verbe être. Sauf en français, vous dites le verbe être, vous le prononcez. Et en russe, n'oubliez pas qu'au présent, ce verbe est souvent omis. Voilà. Et aussi, vous employez ce prédicat, aucun nominatif, avec le verbe être si vous, par exemple, dites pas votre profession, mais votre nationalité, disons. Par exemple, pour dire je suis français, voilà, suis c'est le verbe être et français ici c'est le prédicat. Voilà pour le mot français, ça sera le cas nominatif en russe. Je suis français, я француз. Француз, c'est le cas nominatif parce que c'est le prédicat avec le verbe être. Okay. Et la même chose, je n'ai pas dit en russe, je suis docteur, я врач, я доктор. Доктор ou врач sont employés au cas nominatif aussi. La même chose ici. Et la quatrième situation, c'est quand il s'agit, quand vous employez les constructions у меня есть, у тебя есть, у него есть, у нее есть, у нас есть, у вас есть, у них есть. J'ai aussi mentionné ces constructions dans l'une de mes vidéos. Regardez, je pense que le lien sera ici. Regardez-la. Et donc ici, après ces constructions, vous mentionnez tel ou tel objet ou quelque chose que vous possédez. Je vous rappelle que l'expression у меня есть, у тебя есть, etc., ça veut dire j'ai, tu as, etc. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, et là, nous avons plus un objet. Et cet objet sera au cas nominatif en russe. Et pourquoi c'est au cas nominatif, j'ai aussi déjà expliqué dans cette vidéo. Voilà, ce sont les quatre situations qui sont obligatoires à retenir pour vous si vous voulez progresser en russe, si vous voulez ensuite apprendre à décliner les noms russes correctement. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Visitez mon site, tous mes liens sont sous ma vidéo, sous chacune de mes vidéos. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de mon aide. Et aussi, j'ai ajouté encore un lien, c'est le lien où vous pouvez me soutenir financièrement si vous voulez sur le site Boosty.to. Voilà, suivez le lien et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Aussi, je planifie de publier quelque chose d'unique, quelque chose de spécial sur ma page de Boosty qui sera disponible juste à mes abonnés à cette page de Boosty. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. До скорого. Пока.